les amis, on se retrouve pour le test des remorques, le test des rampes d'éclairage, le test des feux arrière. Je vous ai pris une rampe neuve hein, pour bien vous montrer, c'est plus simple hein, à la caméra. C'est un faisceau 7 plots. Enfin, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir les feux. Alors, vous voyez là, vous voyez le câble avec les couleurs. Donc le jaune là, clignotant gauche. Le rouge, on a dit, c'est le feu stop. Et le marron, voilà, pour le feu de position. Donc, ce que je commence par faire, moi, je démonte ma prise. Pas compliqué. Et vous avez accès aux couleurs de fil, tout simple. Après, ce que je prends, c'est un multimètre. Un multimètre, je vais mettre en mode continuité. Donc, là, on voit que je suis sur le sigle Ohm. Voilà, donc je suis en continuité. Donc là, vous voyez, je suis en continuité. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre en mode sonnette, en mode sonnerie. C'est simple, bon, vous ne prenez pas la tête avec la lecture des chiffres, etc. Et le mode sonnerie, donc vous testez votre appareil. Mode sonnerie, voilà. Quand le contact est fait, quand il y a une continuité proche de zéro, c'est-à-dire parfaite, enfin, quasi parfaite, ça va sonner, tout simple. Donc, pour tester mon faisceau, je commence par prendre, allez, on va commencer par le jaune. Donc, je mets le fil du multimètre sur le jaune de la prise et le fil du multimètre sur le jaune, voilà, du feu. Donc là, on sait que le jaune, il est bon. Le fil jaune, il est bon, pardon. Le rouge, je fais pareil pour le rouge, voilà. Alors, attendez, voilà. Le fil rouge, c'est bon. Le marron, je fais pareil. Voilà, vous voyez bien. Voilà, donc c'est bon. La masse. Alors, la masse, c'est le blanc, vous voyez. Hop. Donc, la masse, normalement, vous l'avez partout sur la remorque. Voilà, on va la tester partout. Vous avez sur le culot des ampoules, des lampes. Donc là, c'est bon. Ce qui peut se passer, c'est que quand vous avez un défaut, vous allez avoir la sonnerie, mais pas en continu. Ça va être assuré, ça va pas faire un beau signal. Donc, je vais essayer de le reproduire. Voilà. Vous voyez, ça va faire des choses comme ça. Voilà, ça va faire des choses comme ça. Voilà, un peu brouillon. Si vous avez ce signal-là, c'est-à-dire que vous avez une mauvaise connexion. Alors, ça peut venir soit de la connexion du fil sur le plot, soit le fil pincé et le câble est un peu détérioré, soit vous avez une mauvaise connexion dans le feu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est refaire la connexion. On a testé d'ici au feu. Ce qui peut se passer aussi, c'est que des fois, vous pouvez avoir des ampoules. Enfin, là, elle est neuve. Vous pouvez avoir le culot des ampoules qui est un peu oxydé. Donc, vous avez bien la continuité. Enfin, vous avez bien la continuité de la prise au feu. Par contre, vous n'avez pas le contact. Vous avez le contact qui vient là, mais ça va pas sur l'ampoule parce que le culot est un peu oxydé. Voilà. Donc, soit vous changez l'ampoule. C'est ce que je fais comme ça. Moi, je suis tranquille. À 30 centimes, vous en avez. Soit faut gratter le culot sagement avec de la toile de verre. Voilà. Donc, si ça peut vous dépanner, bah, c'est plutôt cool.